receive you. It moves still, I said. Meax, grand prêtre de la cité d'Arouk, le dieu Ar a parlé. Nous connaissons la vérité. La vérité est avide. La vérité est horrible. La prophétie te condamne à mort. Je veux la connaître. Tu mourras de la main du fils qu'attend l'épouse de Seth. C'est le fils de Seth qui mourra. La vérité ne peut pas être changée. Il mourra ce soir. Levez-vous devant le roi Beth. Viens de me dire que tu projettes le sacrifice d'un enfant. Ah, demande la vie d'un enfant qui va naître. Je ne permettrai pas le sacrifice d'un enfant innocent. Je te bannis de cette ville à jamais. À Arouk, désormais, personne ne se rappellera ton nom. Va pratiquer ta religion païenne hors de mon royaume, chez les barbares Jones. L'enfant qui va naître est le tien. Ne bougez pas. Il faut séparer cet enfant de sa mère, le marquer du signe du dieu Ar, et le sacrifier. J'aurais dû te mettre à mort depuis longtemps. Thank you.
à nous maintenant. Bonsoir. Ah!
mort. Ce qui t'est arrivé aujourd'hui ne doit jamais être révélé. Jamais. Tu as des pouvoirs que personne d'autre n'a au village. Communiquer avec un animal, là, dans sa tête. Les dieux t'ont marqué de leur sceau. Et un jour, tu découvriras pourquoi. Mais jusque-là, cette marque devra être ton guide. En attendant, tu es mon fils bien-aimé. Maintenant, va au village. Dis ce qui est arrivé au pauvre Tis. Va! Thank you.
les dieux t'ont donné leur marque. Et un jour, tu découvriras pourquoi. Jusque-là, cette marque devra être ton guide. Mon épée et mon kappa seront tes fidèles compagnons. Protège et mûre ton foyer. Et si jamais il m'arrivait quelque chose, poursuis nos ennemis, les Jones. Et tu trouveras ton destin dans la vallée d'Arouk. M'aider tous les deux. Aidez-moi! C'est vous qui m'avez mis là. Essayez de m'en sortir. Merci. Oh.
Je vais t'appeler Kodo. Oh, toi aussi, tu auras un nom. Podo. Kodo. Et Podo. Mes amis.
Mais ils ne nous montreront aucune peur. Nous pourrons nous échapper. Montrer qui commande. Maintenant, tu me dois la vie. Mais j'accepte ceci en paiement. Qui es-tu? Je suis Dar. Je ne suis pas une menace pour toi. Qui t'a envoyé? Je ne suis envoyé par personne. Mon village était mûr. Il a été détruit par une horde de Jans. J'ai juré de me venger. Et je suis à leur poursuite. Toi? Tout seul? Et maintenant? Toi, qui es-tu? Je m'appelle Kiri. Je suis esclave des prêtres du temple d'Arouk. Ils te fouettent comme une bête. Je suis une esclave. Que veux-tu que je fasse d'autre? Je te protégerai. Tu n'as pas l'air de comprendre. Il faut que je rentre. Si je ne reviens pas, un membre de ma famille sera tué. Alors laisse-moi aller avec toi. Tu ferais mieux de m'oublier et de poursuivre les Jans. Avec eux, tu mourras en homme. Pas avec le prêtre d'Arouk. Au revoir, Dar. Fais attention.
pas te cacher. Quelque chose pour toi.
la lumière de mes jours. Oh, ôté des griffes de la mort par... Oh, mais... Mon bébé. Mais... Attends. Je m'appelle Sako. Je suis à jamais ton obligé. Ce qui est à moi est à toi. Tu n'as qu'à me demander ce que tu veux. Il y avait une fille sur la pyramide. C'est une amie. Ah, je t'en prie, entre. Ah, laisse-moi au moins t'offrir un repas. La horde des Jones a massacré presque tous les hommes jeunes d'Arouk. Zed, notre roi, a été emprisonné dans la pyramide. Et son fils a disparu. Les Jones ont mis leur démoniaque grand prêtre, Meax et ses sorcières diaboliques, à la tête du royaume. Et s'il nous maintient en vie, c'est pour avoir le sang de nos enfants. Parle-moi de la fille. Elle est esclave comme les autres. Toutes les filles ont été ramenées au temple. On les prépare à la mort qu'on leur destine. Il faut que je la retrouve. Attends. Le pont est la seule issue. Nous sommes entourés par un énorme fossé rempli de poids. Où est partie la horde des Jones? Vers le nord. Meax nous menace de leur retour. Moi aussi, je reviendrai. Merci pour ton repas, mon ami. Et nous reverrons. Ah, feu cet étranger. Qu'on me l'amène, ce maître des animaux. Cet anneau vous conduira jusqu'à lui. Affronte l'animal sur son propre terrain. Tu découvriras que tu n'es pas aussi fort que tu le crois. Seth, regarde. Thank you.
une dette envers vous. Il est à toi? Nous combattons ensemble parfois. J'espère pouvoir vous rendre l'appareil un jour. La vie est un cercle. Je suis sûr que nous nous reverrons. Ami, qui es-tu? Je suis Dar. Des Émurites. Mais il n'y a plus d'Émurites. À cause des Jones. Je suis le dernier. Des Jones. Et toi, ami, qui es-tu? D'où viens-tu? Je m'appelle Seth. Et voici Tal. Nous sommes de simples pèlerins qui allons faire nos dévotions au temple d'Ar. Moi, je n'ai jamais vu un pèlerin comme toi. Tu manies le bâton trop facilement. Oh, mon ami, tous les pèlerins ont en commun un profond amour de la vie. En particulier de la leur. Moi aussi, je vais faire mes dévotions au temple d'Ar. On dit que l'union fait la force. Nous devrions peut-être voyager ensemble. Nous avons fui Arouk il y a 3 ans. Nous sommes allés partout en essayant de lever une armée pour combattre les Jens. Tal est presque un homme maintenant. Il est temps qu'il trouve un moyen de libérer son père, le roi. Je viens justement d'Arouk. Meax a tous les pouvoirs. Il sera difficile de le défaire. Ce n'est pas lui qui m'empêchera de libérer mon père. Tant que le roi Zed est vivant, il reste le symbole de notre force. Sous son commandement, nous écraserons Meax. Comment se fait-il que tu voyages avec ces animaux? Ce sont mes amis. Dès l'enfance, on m'avait dit que mon habileté avec les animaux était exceptionnelle. Je vois par leurs yeux, ils voient par les miens. Ils savent mes pensées, je sais les leurs. Nous dépendons les uns des autres. Où as-tu trouvé ces deux-là? Ça, ce sont mes petits voleurs. Lui, c'est Podo. Et lui, Kodo. Ils sont très malins. Ils volent tout ce qu'ils trouvent. Des bagues, des colliers, des pierres. Cette bague te plaît? Garde-la. Rien n'est trop bon pour Kodo et Podo. Seth, regarde. Explique-nous ça. Ça vient d'une esclave que j'ai rencontrée au temple. Non. Non, il n'appartient pas à une esclave, ce collier. J'ai dit une esclave. Podo a dû lui voler, je suis à sa recherche. Je voudrais pouvoir la sauver. Avant qu'il ne la tue. Nous partons à l'aube. Qui est cette fille? Ma cousine. Kiri.
capturés par des prêtres en rouge. Tu avais raison. Ils vont les sacrifier. Nous devons la sauver. Nous ne sommes pas assez nombreux. Mes amis, le voyage vers Harouk est parsemé d'embûches. Alors, nous devons bien nous préparer. Libérer mon père. Envoie ta cousine me le demander. Que faut-il que je fasse pour te convaincre de nous aider? Je suis très occupé. Il faut du temps pour faire ce que vous voulez faire. Je ne sais pas. Je crois qu'il va accepter. J'ai le sentiment qu'il va le faire. Tu viendras avec nous. Tu auras du mal à te débarrasser de moi.
vaut mieux attendre la nuit pour vous glisser dans la ville. Les rebelles pour nous aider? S'il y en a, il les trouvera. Oh, oh, mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Pourquoi, moi? Non, je suis ici. Retourne d'où tu viens et va dire à nos amis que tu ne m'as pas trouvé. Hein? Oh, bon, très bien, je viens. Oh, quel malheur. Sako, où sommes-nous? Oh, tais-toi, nous arrivons à l'entrée de la ville. Nous allons les accueillir comme il faut. Descendez, vite. Je vais aller vous attendre sur la face nord. Les gardes de la mort. C'est par là. Je comprends pourquoi il n'y a pas de garde devant la porte. On doit voir par là. C'est comme ça qu'on fait un garde de la mort. Une horrible torture fait d'un homme une vraie bête sauvage. Il faudrait voler ses clés. Le vol, c'est l'affaire des voleurs. Regarde,
Les prêtres Jones lui ont mis aux bras et aux jambes des armes redoutables. Maintenant, ils vont introduire dans son corps un mystérieux liquide vert qui va anéantir son cerveau. Il va tuer tout ce qu'il rencontre. Il ne connaîtra plus jamais la peur. Fais-tu pour Kodo et Podo? Ne t'inquiète pas pour eux, ils nous rattraperont. C'est par ici. Elle fait partie des guerriers Trill. Elle connaît bien cette pyramide. C'est là qu'ils vivaient autrefois. C'est un labyrinthe. Kiri va retrouver mon père. Il est là. Il nous faudrait les clés. C'est ouvert. Ah!
protège nos amis. Allez-y, je couvrirai votre fuite. Oh, je t'en prie, tu dois venir avec nous. Je ne partirai pas sans mes petits voleurs. Allez-vous-en. Je vous rattraperai. Par le conduit d'aération. Un moyen de sortir. Est-ce que la herse a un contrepoids? Oui. C'est vous qui allez nous ouvrir cette porte. Allez, dépêchez-vous. Ah,
perdu. Inutile. Avancez à la porte, il faut l'ouvrir. Même aveugle, je rejette votre pitié. 35 guerriers, forts et valeureux, sont bien suffisants pour écraser mes axes. Lui et ses monstres doivent mourir. Nous reprendrons Harouk et nous leur donnerons la mort qu'ils méritent. Non ! Reprendre votre ville n'est pas la solution. Si vous parvenez à tuer Meax et ses prêtres, vous ne ferez que vous attirer la colère des Jones. Je les ai vus à l'œuvre. Il vous faut une armée. Qui est cet homme qui parle? C'est un ami. C'est le maître des animaux. Mon oncle, il faut l'écouter, je t'en prie. C'est lui qui t'a sauvé la vie. Un monstre. S'il parle aux animaux, ce ne peut être qu'un monstre. Mais père... Je n'ai pas besoin de lâche à mes côtés. Z7, mon loyal guerrier, nous attaquerons la ville avant l'aube. Tal viendra avec moi. C'est lui qui sera mes yeux. Tal, je t'ai dit que Tal est maintenant suffisamment grand pour prendre place aux côtés de son père. Z7, tu emmèneras 15 guerriers pour attaquer la grande porte. Pendant que tu
détournera leur attention vers la grande porte. Nous attaquerons. Nous prendrons d'assaut la face nord. La victoire sera bientôt à nous. Gax devra payer pour ses actes. Seigneur Z, nous devons nous enfuir. Meax connaît nos plans. Voilà bien des années, Meax a tué ma reine en prenant mon fils qui allait naître. Maintenant, il va payer. Nous devons vaincre ce diable et Harouk sera à nouveau à moi. Meax doit mourir. Nous sommes perdus. Animaux, tu es notre seul espoir. Nous avons besoin de ton aide. L'attaque a échoué. Meax est toujours en vie. Qu'est-il arrivé à Kiri? Elle a été capturée, comme Zed, Seth et le petit. Ils seront sacrifiés au coucher du soleil. Il faut que tu les sauves, je t'en prie. Prophétie arrive. Meax!
fils enlevé avant sa naissance vient accomplir la prophétie. Mon fils. Moi, Méas, je dénie cette prophétie. Zed, rejoins ton fils perdu. De force.
nous avons de la chance, les Jones manqueront l'épreuve. Thank you.
presque réussi. Animaux. Comment va-t-il? Il ne pourra pas se servir de son bras pendant un moment, mais il va bien. Alors je peux m'en aller. Non. Pour le nouveau roi. C'est toi qui es né le premier. C'est donc toi qui devrais être roi. Tu as bien élevé Tal. Il sera pour vous un bon roi. Et puis, avec toi, il aura le meilleur bras droit qu'un grand chef puisse souhaiter. Le nouveau roi revient du royaume des morts. Il a laissé ça pour toi. Il est parti.